Coucou tout le monde, donc cette vidéo va être un tuto pour les macarons. Voilà, donc là je vais pas le monter en bague, mais sinon c'est très simple. Il vous faudra juste un support de bague. Donc pour commencer, vous avez besoin d'une boule de Fimo pour faire la meringue et d'une autre boule pour faire la ganache. Donc la boule pour faire la meringue sera assez grosse. Souvent dans les autres tutos, ils vous disent de faire deux boules avec. Donc moi, bref. Un emporte-pièce, une feuille de papier plastique ou du papier film. Moi, j'ai plus de papier film, donc je prends du papier pour couvrir les livres. Et bon, moi, je prends un verre parce que j'ai pas de rouleau. D'un cure-dent. Et si vous avez besoin d'un scalpel ou d'un cutter, voilà. Donc, pour commencer, vous allez prendre la grosse boule. Vous allez malaxer. Moi j'ai déjà chauffé, donc c'est bon. Après, avec le verre, alors soit vous roulez comme ça, ou soit vous posez, vous aplatissez. L'avantage avec le verre, c'est que quand vous aplatissez, en fait, voilà, ça reste en rond. Et c'est pratique. Donc, faut la faire assez épaisse. Donc, si j'ai pas pris assez de chimou, hein, j'ai le pain à côté. Donc juste pour faire ça, j'ai pris deux bandes, enfin, vous savez, le truc comme ça, là. J'ai prélevé deux bandes, ça fait beaucoup, mais j'ai pas d'emporte-pièce plus petit. Donc cet emporte-pièce, ça fait la taille de ce macaron, donc ça va quoi. Bref, après vous avez juste à prendre votre papier plastique, le mettre dessus et avec l'emporte-pièce, appuyer. Normalement, avec le papier film, ça se fait tout seul. Mais comme je vous ai dit, j'en ai plus. Et le papier pour couvrir le lit, ça c'est épais. Donc là, ça a déjà fait tout le boulot à ma place. Sinon, vous enlevez ce qu'il y a autour. Ça vous donne ça. Pour toutes les fimoteuses, vous savez bien que après il faut refaire un peu les côtés. Parce que ça fait. C'est pas net en fait. Voilà pour ma première meringue et je vais faire pareil avec l'autre. Je sais pas si je vais avoir assez de pâte. Bon, je pense que j'en aurai pas assez. Donc, je vais en reprendre un peu. Un peu beaucoup, enfin voilà. Sinon vous pouvez le faire avec des plus petits emporte-pièces, mais je trouve que la taille du macaron, comme ça, on dirait plutôt un vrai. Voilà. Vous refaites exactement pareil que pour la première fois. Donc en réalité, il fallait deux boules comme la première. Vous allez aplatir. Il faut que ça ait en fait la même taille que l'autre. Moi ça me fait ça, je pense que c'est bon. Et on refait pareil, on repose le papier et on appuie. Voilà. Comme j'ai appuyé un petit peu fort, on va dire voilà. Sinon faut sinon après faut recouper avec le cutter. Pareil, je vais refaire. Les côtés, de toute façon, les côtés, c'est pas trop la peine de les faire parce qu'on va faire l'effet mousseux, tout ça. Voilà. Hop. Après, vous prenez un cure-dent ou un scalpel, enfin, ce que vous avez. Et en fait, là, il y en a qui soulèvent comme ça, mais moi, c'est vraiment très facile. Vous allez juste faire ça. Et en fait, ça partout. Jusqu'à ce que ça fasse un peu. En fait, ça va me donner un peu un truc comme ça. Mais vous allez voir après, ça va être bien fait. Donc s'il y en a des copeaux qui partent sur le côté, c'est pas grave. Justement, ça va un peu mieux en fait. Après, moi je dis ça, c'est ma technique. Hein. Il y en a plein d'autres filmoteuses qui font pas comme ça.
pour vue de près. Ça vous donne ça. Je sais, c'est horrible. Je vous le confirme. Et après, vous reprenez un peu de chute que vous avez, si vous les gardez. Et là, en fait, vous allez faire des copeaux pareil. En fait, vous allez juste faire comme ça. Et ça va faire des copeaux, en fait, normalement. En fait, moi, les copeaux, j'en ai fait pas beaucoup du tout. Hein. C'est juste pour remplir des fois, normalement. Donc ça, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Une fois que vous avez votre espèce de truc comme ça, en fait, là, vous prenez le cure-dent, en fait, et vous allez tout venir ramener comme ça. Comme ça. Voilà, bon, mon truc est trop petit, je prends celui-là. Et vous allez tout ramener, en fait, vous poussez comme ça. Alors, là, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Vous allez appuyer si ça vous convient pas. Et en fait, les copeaux vont servir à rajouter là où il y a des blancs. Voilà. C'est pareil. Aussi que on n'en manquait pas quoi. Alors voilà ce que ça donne, j'espère que vous arrivez à voir, parce qu'avec la webcam c'est pas trop évident. Et en fait vous faites exactement pareil avec l'autre. Pareil, en fait vous avez juste à appuyer sur les bords ici, on ramène tout et quand vous le ramenez, essayez de soulever un peu les copeaux parce que ça fait un peu plus réaliste. Enfin, je trouve. Ouais. Donc. Voilà ce qu'on obtient. Donc après moi je répète un peu. Donc voilà pour nos deux meringues. Après si vous appuyez pour que ça soit un peu pareil, enfin bref. Donc si vous voulez le. Si vous voulez, enfin comment dire, faire un peu comme là j'ai fait avec de la déco 3D dedans ou de la décotille ou de la pâte foua foua, vous faites cuire bah, les deux macarons comme ça et puis vous remplissez avec ce que vous voulez. Ensuite vous prenez cette boule, la petite boule qui va servir à faire la ganache. Et vous avez juste à l'aplatir comme ça. Alors, il y en a qui prennent l'emporte-pièce. Mais moi, j'ai deux raisons. Comme dans un macaron, la ganache, c'est un peu rond. Enfin, c'est arrondi. C'est sur les côtés, c'est pas net. On voit pas. Enfin, c'est pas tout droit, quoi. Donc, je fais comme ça. Et de deux, comme mes macarons. Je préfère en fait quand la ganache ne sort pas du macaron. Donc si je mets comme ça, vous verrez pas la ganache en plein milieu. En tout cas, moi, c'est ma façon de les faire. Donc vous l'aplatissez. Je crois que je n'en ai pas pris assez, mais bon, ça va le faire. Pareil, j'ai aplati avec ça pour qu'on ait la boule toujours.
Donc, j'espère que j'en ai pris assez. Ouais, c'est bon. Ça va vous donner un truc comme ça. Sauf que... Maintenant, il faut bien le placer au milieu. Comme ça. Vous allez vous dire, ça ressemble pas du tout encore. Mais ensuite que vous avez fait ça, avec un bâton que vous faites, on va les ramener sur les côtés. Là. Et ensuite, c'est comme vous voulez, mais moi je repique un petit peu sur les effets où on voit pas trop. Et sinon, je reprends un petit peu de popo et je viens de la mettre. Voilà. Et pour faire le macaron plus plat comme là, vous avez juste à prendre. Moi je prends un verre comme toujours. Et l'aplatir, mais un tout petit peu. Pour que ça soit. Pour que ça soit plat. Donc, ça me donne ça. En fait, c'est pas tout à fait pareil. Parce que j'ai un petit peu trop aplati. Mais sinon, ça vous donnera quelque chose comme ça. Soit vous faites, en fait, comme celui-là, et sur les bords, ça sera carré. Ou soit vous faites. En fait, comme ça, vous rajoutez des copeaux pour faire que ce soit bien arrondi. Voilà le résultat. Pour celui-là, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Celui-là, comme je vous ai dit, j'aime pas quand la ganache sort de la meringue, mais avec la déco 3D, ça s'aplatit. Donc. Ça sera tout. Sinon, après la cuisson, vous pouvez le vernir. C'est comme vous voulez. Et aussi pour toujours avec les macarons. Voilà, les quelques macarons que j'ai fait. Un bleu. Un chocolat, pareil. En fait, ça va avec celui-là. En fait, le rose qui est comme ça. Il rappelle un peu celui-là que je viens de faire tout de suite parce qu'il est un peu plus carré. Après un rouge. Et un jaune. Voilà pour les macarons. je suis désolée si celui-là vous plaît pas. Mais si vous suivez bien mes instructions, vous devrez arriver à quelque chose comme ça. Et il faut pas trop aplatir. Parce que sinon ça vous donnera ça. Et en plus de ça, sur mon verre, il y a marqué Ikea. Alors, il y a marqué Ikea. Mais bon, bref, on s'en fiche un peu. Sinon, je vous dis à bientôt pour la vidéo du rouge à lèvres. Et, enfin, le tuto plutôt. Et j'aimerais bien que vous alliez faire un petit tour sur ma page. Allez, bye bye!